Bonjour tout le monde, je suis Marie-Lou. On se retrouve pour un Barshape mini workout pour travailler les fessiers. Vous aurez besoin d'une chaise en guise de barre. C'est parti. Placez votre main à la barre, la jambe de la barre est devant, l'autre jambe derrière, en grande quatrième en dehors, main sur la hanche, on va plier et allonger les jambes. Inclinez le buste légèrement vers l'avant, engagez bien votre centre, le nombril vers la colonne et on plie. Allez, pliez le plus bas possible. C'est ça, engagez bien dans l'arrière des cuisses et les fessiers. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en bas, amenez votre bras en cinquième position. On va connecter coude et genou. En gardant bien la jambe de terre pliée. Expirez, inspirez. 1. C'est ça, encore. Dernier 8. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, et on revient ici, allongez votre jambe sur le côté, on va venir croiser la jambe derrière, on revient ici sur le côté, et on croise derrière, sur deux temps, et croise, côté, derrière, dernière fois comme ça, ouvre, fermez, restez ouvert ici, bien plié sur la jambe de terre, levez le pied du sol, on tourne la jambe en dehors, en dedans, en dehors, en dedans. C'est ça, allongez bien votre dos. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on va pulser cette jambe un peu plus haut, toujours plié dans la jambe de terre. Amenez bien votre nombril vers la colonne, allongez le dos, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Placez maintenant votre jambe de terre parallèle. Pliez les deux genoux. Dégagez la jambe sur le côté. On est parallèle dans les deux jambes. On monte sur trois temps et on descend. C'est ça. Gardez toujours votre main sur la hanche. Et hop, 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 down. Yes. Encore 8, 7, 6, 5. 3, 2, on reste en l'air, on plie le bas de jambe, on allonge. C'est ça. Bien plié dans la jambe de terre. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, restez la jambe allongée et on pulse encore. La jambe un peu plus haut. C'est ça. Et 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, on replie le bas de jambe, vous faites des cercles vers l'arrière, et 2, c'est ça, essayez bien de garder votre jambe parallèle au sol, dernier cercle vers l'arrière, c'est ça, dans l'autre sens maintenant, on amène vers l'avant le genou, toujours bien plié dans la jambe de terre, et 3, et 4. Gardez cette jambe pliée. Maintenant, votre bras ici en cinquième position. On pulse la jambe vers le ciel. Et amenez votre main vers le pied. Et pulse. Hop. C'est ça. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste statique. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez, allongez la jambe, on revient ici, en face, mettez-vous face à la barre, placez votre pied droit au-dessus du genou gauche, et on va étirer un peu le fessier, on se redresse, inspirez, l'autre côté, et allongez, ok, on est parti pour l'autre jambe, l'autre fessier, hop. Placez votre main à la barre, la jambe de la barre est devant, l'autre est derrière, on rentre quatrième en dehors. On plie, on monte. Amenez votre buste légèrement vers l'avant. C'est ça. Le nombril engagé dans la colonne vertébrale. Encore 8. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On reste en bas ici. Amenez votre genou
vers le coude. Expirez, inspirez. Gardez bien votre jambe terre-pied. C'est ça. Encore 8. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et dégagez votre jambe à la seconde. On va amener la jambe derrière croisée. On revient seconde. En gardant toujours la jambe de terre pliée. C'est ça. Sur deux temps. Et seconde encore. Et deux. Et ouvre. Croisé. Ouvert. Deux derniers comme ça. C'est ça. Dernière fois. On reste ici à la seconde. On va pousser la jambe qui est allongée vers le ciel. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste la jambe au-dessus du sol et on twist en dedans, en dehors. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et relâchez. On passe maintenant les pieds parallèles. Pliez les deux genoux. On dégage la jambe sur le côté, allongé. Et on va pulser. C'est ça. Allongez bien le dos. Nombril vers la colonne vertébrale. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on va monter sur 3 temps. Et hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est ça. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut. On plie le bas de jambe. On allonge. Essayez de garder ici votre cuisse parallèle au sol. La jambe de terre est toujours pliée. C'est ça. Connectez votre talon vers le fessier. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste allongé. On pulse. C'est ça. Montez cette jambe un peu plus haut. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on plie. On fait des cercles vers l'arrière. Et 2. C'est ça. 3. Et 4. On va maintenant vers l'avant avec cette jambe pliée. Hop. Et 2. Et 3. Et dernier cercle. Bras cinquième. On pulse. Et connectez ici votre main avec le pied. Hop. Hop. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On reste actif pour 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, et relâchez. Ok, on se place face à la barre. Placez votre cheville gauche au-dessus du genou droit. On expire, on laisse aller le genou gauche vers l'extérieur. On inspire, on revient debout. Et même chose avec l'autre jambe. Et vous pouvez mettre votre barre sur le côté. On va enchaîner au sol. Vous allez vous placer avec votre dos sur le tapis, les genoux vers le ciel. Expirez, amenez le bassin et décollez la cage du sol. Et on vient ici amener les mains sur la cage pour la redéposer au sol. On engage dans le périnée et vous allez amener le bassin vers le plafond. C'est ça, pensez bien à contracter dans l'arrière des cuisses et dans les fessiers. Expirez bien. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut. On va vers la droite, puis vers la gauche, avec les hanches, en gardant le bassin le plus haut possible. C'est ça.
Encore 8 comme ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on va décoller la jambe droite. Allongez cette jambe. Vous allez descendre la jambe sur 3 temps et remonter 4. On garde toujours ce bassin au-dessus du sol. En bas, 2, 3, et on monte encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut pointé. Pliez les jambes dans le genou, on pulse avec la jambe vers le plafond et le bassin vers le plafond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on dépose le pied droit. On garde toujours son bassin au-dessus du sol. Allongez cette fois-ci la jambe gauche vers le plafond et on descend sur 3 temps. On remonte 4. Et 1, 2, 3. Remonte 4. C'est ça. Expirez encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut. On pulse le pied pointé vers le plafond. Et on monte toujours un peu plus le bassin. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on dépose le pied au sol. Gardez votre bassin hors du sol. Vous avez ici l'option d'amener vos bras en première position. Et on va déhancher à nouveau vers la droite, vers la gauche. Engagez bien l'arrière des cuisses et on est fessier. Le nombril toujours vers la colonne, le périnée engagé. C'est ça. Et dernier 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste actif pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et relâchez. Vous pouvez placer votre cheville droite au-dessus du genou gauche et attraper votre bas de jambe gauche. Rapprochez les jambes de la poitrine. Et expirez, changez de jambe. Pour venir étirer les fessiers qui ont bien travaillé. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.